Celui qui ouvre un livre a décidé qu'il avait tout le temps pour mourir. Celui-là, entre autres noms, pourrait porter celui de Ernst Junger. On connaît l'œuvre de cet homme, souvent source de malentendus. C'est un des hommes les plus paisibles et les plus contemplatifs qui soient. Il s'est fait connaître pour un, un premier récit de jeunesse, Orage d'acier, qui relatait son expérience des tranchées de la Première Guerre mondiale. On n'a peut-être pas assez remarqué que dans cette euh, expérience très précise de l'enfer, et le monde actuel est sorti de cette expérience-là, je veux dire qu'il n'en est pas sorti, plutôt qu'il est simplement dans le prolongement de ce premier massacre. On n'a pas assez remarqué qu'Ernst Junger, de loin en loin, relate une drôle d'habitude. Il est à demi enseveli comme ses compagnons de lutte dans l'argile, dans l'humidité, dans la boue, dans la peste, dans les, au milieu des cadavres décomposés, des rats surnourris et des, et des obus solaires. Et il ouvre un livre. Et il se met à lire, paisiblement, à fond, comme un sage au fond de sa bibliothèque, un journal de Léon Blois, un livre du XVIIe ou du XVIIIe siècle dont il a une édition originale. Ça paraît peut-être invraisemblable, c'est ce que je sens, ce n'est pas, pas ce que lui dit, c'est ce que moi je sens. C'est que les, les bombes retiennent leur lumière mortifère, les morts cessent d'inquiéter, et les rats même s'éloignent avec respect de celui qui est en train de lire aussi profondément. J'ai compris quelque chose sur la lecture en lisant les livres d'Ernst Junger. Je crois que je connais peu de gens qui aient autant lu dans leur vie. J'en connais deux au fond Ernst Junger et Jean Grosjean. Les deux étaient des lecteurs invraisemblables. invraisemblables. Aucun chef-d'œuvre de la littérature ne leur était étranger, mais plus encore ils ont découvert les vraies grâces qui sont souvent dans des livres ignorés, inaperçus, dont l'auteur n'a jamais écrit un deuxième livre. Les livres sont comme des abris absolus. Nos vies d'aujourd'hui, comme nos villes, sont énervées et sont malades. Je cite cette vision de Junger qui passe en avion au-dessus d'une capitale d'un grand pays dans les années 70. Lorsqu'on survole les continents la nuit, les villes brillent comme des ganglions inflammés au sein d'un système nerveux. On peut voir, l'image est plus simpliste, je l'ai vu parfois ainsi, une ville assez importante, la nuit, comme un brasier, comme une sorte de. Le mot fourmilière revient un peu machinalement, comme un brasier. Mais c'est beaucoup plus fort de les voir comme, je cite, des ganglions inflammés au sein d'un système nerveux. Rien n'est plus apaisant, rien n'est plus réconfortant et apaisant en vérité que de lire un livre. D'un village dans la guerre, d'un village français dans la guerre, envahi par le printemps, Junger dit ici même une âme simple entrevoit que sa vie est enfouie dans une sécurité profonde et que sa mort n'est pas une fin. Il parle, je précise, à ce moment là, d'un village dont plus aucune maison à peu près, ne reste intacte. Il y a une ferveur, une intelligence de la vie irremplaçable qui vient des livres et dont j'aimerais toujours parler, dont je me lasserai jamais de parler. La finesse d'un homme comme Junger est très grande. Je crois que ce sont les contemplatifs qui voient le plus loin. Un dernier exemple. Dans un journal des années 80, il a cette réflexion, mais on peut en trouver chez lui des dizaines de, de même haut, de même intensité. Il dit qu'il faut quand même distinguer entre la gloire et la notoriété. Et la distinction est faite par le temps. Et l'exemple qu'il donne, c'est celui du Christ. Il dit que si le Christ, parce qu'après tout, c'était possible, avait accepté une invitation à manger du grand prêtre, c'était très possible. Le Christ avait quand même aussi une belle rumeur autour de lui il avait quelque chose d'attirant. Il était presque à la mode. Si tout ça s'était conclu par une invitation chez le grand prêtre, eh bien, on n'aurait jamais plus entendu parler de lui. C'était fini. Il aurait eu la notoriété, mais la gloire qu'il a acquise, qui a traversé deux mille ans, le fait qu'il ait mangé avec des vanupiés, dont aujourd'hui encore chacun de nous connaît les douze prénoms, ce fait là était bien plus puissant. Et bien plus avisé. On trouvera, je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de réflexions très sages, très profondes de Junger dans ses écrits, dans ses journaux. Je ne sais pas si on en trouvera une aussi, à mon gré, aussi belle que celle-ci. Elle est accordée à ce que j'essaye de dire là de la lecture. Les livres nous apprennent la bienveillance dans la vie et ils nous apprennent aussi à y répondre, à y répondre de la manière suivante je cite il n'y a qu'un péché il n'y a qu'un péché dont tous les autres surgissent comme de la tête de l'hydre dont ils s'envolent comme de la boîte de pandore lorsqu'elle est ouverte et c'est l'ingratitude Et il n'y a qu'une vertu la gratitude le nourrisson la célèbre en dormant après avoir têté le sein maternel et le tournesol en orientant sa fleur vers la lumière et je pourrais dire que le lecteur, en ouvrant un livre, en lui donnant de son temps, de son âme, en appliquant tout son esprit à réveiller le sens engourdi de la phrase, le lecteur fait, envers la vie muette, preuve et acte de la plus belle gratitude.